La première fois que l'Orient Express s'est élancé ainsi, c'était en 1883. Aujourd'hui, tout au long des 2500 km de ligne qui mènent jusqu'au Bosphore, l'émerveillement reste le même. Nous débutons notre périple à partir du sud de l'Allemagne et notre première étape relie Nuremberg à Vienne, soit plus de 500 km. Pendant tout le trajet jusqu'à Istanbul, notre train sera tracté uniquement par des locomotives à vapeur. Un véritable défi. 230 voyageurs prennent part à ce voyage mythique. Pour se replonger dans l'ambiance de la grande époque de cette ligne, rien de tel que l'ouvrage d'Agatha Christie. J'ai vu le film, mais je n'avais pas encore lu le roman. Je l'ai acheté exprès pour le voyage. Ça fait toujours son petit effet de rouler à la vapeur sur les lignes à grande vitesse. En 1883, Paris et sa gare de l'Est étaient le point de départ et le terminus de l'Orient Express. Ce train de luxe pour tête couronnée et diplomate mettait 3 jours et demi pour rallier Istanbul. Un temps record à l'époque. Le train d'origine ne circule plus depuis près d'un demi-siècle, mais la ligne existe toujours. Aujourd'hui, on ne fait plus ce voyage par goût du luxe, mais par passion. La passion du rail et de la vapeur. C'est un rêve d'enfant. Je crois que c'est ce qui pousse beaucoup de gens à faire le voyage. Pour nous aussi, c'est toute une aventure. Les réserves d'eau sont limitées et on n'est jamais à l'abri d'une panne du groupe électrogène. Dans ce cas-là, il faut faire la cuisine au gaz. Mais dans l'ensemble, c'est très agréable. Et entre deux services, on peut regarder par la fenêtre et profiter des curiosités. Comme la célèbre abbaye bénédictine de Melk, en Basse-Autriche. Malheureusement, notre train ne s'arrête pas avant Vienne. Vienne. Le saviez-vous ? La capitale autrichienne détient un record européen qui mérite d'être loué. 34% des déplacements se font ici en transport en commun. Le chiffre le plus important en Europe. Le lendemain matin, une nouvelle locomotive à vapeur est à quai dans la gare du sud de la capitale autrichienne. Départ prévu à 7h18. Comme le faisait l'Orient Express de jadis, notre train changera de locomotive à chaque frontière. Programme de cette deuxième journée, 507 km à travers la Hongrie. Alors que nous quittons Vienne par la ligne de l'Est, on nous sert le premier café de la journée dans le wagon-bar où nous rencontrons un passionné, et non des moindres, le propriétaire de la locomotive.
L'Orient Express a une signification particulière pour moi. Quand j'étais enfant, je l'ai vu en vrai. Quand il était à l'arrêt, on avait le droit de monter quelques minutes dans les voitures. L'un de mes grands souvenirs est que les voyageurs nous donnaient des bananes. Je m'en souviens comme si c'était hier. À l'époque, dans les années 30, les bananes étaient très rares. Et les locomotives à vapeur continuent de fasciner, même les plus grands. À la gare frontière d'Aiguier-Chalom, notre train reçoit du renfort. Une seconde motrice. Un modèle pour train rapide de construction hongroise. Ainsi équipé, notre train quitte Aiguier-Chalom. Tracté par ces deux locomotives, le train fonce à toute vapeur en direction des Balkans. Petit à petit, le train accumule un certain retard. Ça fait aussi partie du charme des voyages longue distance à vapeur. À l'origine, l'Orient Express traversait 5 pays et requérait la collaboration de 9 compagnies ferroviaires différentes. Une chose impensable aujourd'hui, surtout en Hongrie où la privatisation des chemins de fer entraîne certains dysfonctionnements. Même si on critique beaucoup les chemins de fer hongrois pour leur manque de ponctualité et de confort, le train est un moyen de transport indispensable dans le pays, surtout pour le trafic local. Depuis quelques années, certaines lignes secondaires ont été remplacées par des services d'autocar. Mais on se rend bien compte que la solution n'est pas vraiment satisfaisante. Nous traversons le Danube, aux portes de Budapest. Pendant que le train manœuvre en gare de triage, faisons un saut dans le centre de Budapest jusqu'au grand marché couvert. Cette halle, inaugurée en 1896, ressemble beaucoup à une gare. Elle était reliée au Danube par un canal pour assurer la livraison des marchandises. Avant de repartir, nous avons juste le temps d'une promenade sur le fleuve. Nous voici à Kőbánya-Felső. Notre train va être attelé à ses nouvelles motrices. Un tandem de locomotives de modèle 424. À L2, elle développe 5000 chevaux vapeur. Ces deux machines ont été construites par les ateliers de chemins de fer royaux de Hongrie.
Ils étaient considérés comme le meilleur constructeur de locomotives du pays. Ce modèle est l'une de leurs grandes réussites. Cette locomotive a été fabriquée dans les années 20 pour répondre aux besoins des transports hongrois. Elle peut tracter aussi bien des trains de voyageurs que des trains de marchandises ou des rapides. C'est une locomotive à tout faire. Et on peut aussi l'alimenter avec n'importe quel type de charbon. Elle n'est pas exigeante. On peut même l'alimenter avec du charbon de mauvaise qualité. C'était très utile parce qu'en Hongrie, on extrait peu de charbon de bonne qualité. Avec cette locomotive, l'État n'avait pas besoin d'importer du charbon puisqu'elle se contentait de la médiocre qualité du charbon hongrois. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le manque de charbon fut en effet un problème préoccupant pour la Hongrie. Faisant partie du camp des vaincus, le pays s'est trouvé économiquement isolé de ses voisins et le chemin de fer a dû en subir les conséquences. Quand nous passons la frontière roumaine, il fait nuit. À 22h40, nous entrons en gare d'Arad, la première grande ville roumaine sur notre parcours. Nous y ferons halte pour la nuit. Contrairement à l'Orient Express de jadis, notre train n'est pas équipé de wagon-lit. Après 15h30 de train, ça fait du bien de respirer l'air frais et de se dégourdir les jambes lors d'une promenade nocturne autour de l'hôtel de ville. Le lendemain matin, rendez-vous à la gare à 7h30. Reliée au réseau ferroviaire en 1858, alors qu'elle faisait partie de la Hongrie, la ville d'Arad est un carrefour important pour le commerce avec la Transylvanie. La locomotive à vapeur a pris la tête de notre train. C'est la sixième depuis le départ. Pour ce troisième jour de voyage, nous allons parcourir 310 km à travers la Roumanie. Elle a fait son entrée dans l'Union européenne début 2007. Depuis les années 80, le pays est en pleine mutation dans de nombreux secteurs, notamment le chemin de fer. Les chemins de fer roumains ont beaucoup changé, notamment en ce qui concerne l'exploitation des lignes. L'ancien mode de traction à vapeur a été définitivement abandonné au profit des machines diesel. En 1998-99, on a mis en service des locomotives diesel modernisées selon le système Minda. Et depuis 2005, on est passé à des motrices diesel développées par la société General Motors. En poursuivant vers l'est, nous traversons la vallée du Mourès. Au loin, les monts du Banat. La voie est bordée de champs à perte de vue. En Roumanie, environ 30% de la population continue à vivre de l'agriculture.
Sur les petites routes de campagne, on croise encore des voitures à cheval. Ces paysages sont enchanteurs pour les touristes. Mais le pays est pauvre. C'est pourquoi un grand nombre de Roumains choisissent l'émigration. Ce périple nous entraîne à travers une Europe méconnue jusqu'aux portes de l'Orient. Le premier Orient Express n'a traversé la Roumanie que jusqu'en 1889. Son terminus était alors la ville de Varna, sur les bords de la mer Noire. Le voyage jusqu'à Istanbul se poursuivait ensuite par bateau. L'Orient Express garde une place à part dans le cœur des cheminots roumains. Même d'ici 50 ans, aucun train n'aura détrôné l'Orient Express. Il est unique en son genre. D'autres pourront peut-être l'égaler d'ici quelques dizaines d'années, mais ils ne pourront pas le surpasser. Et il ne faut pas oublier qu'on ne revient jamais en arrière. Espérons que le temps épargnera l'Orient Express comme il a épargné les pyramides d'Égypte, pour que les générations futures puissent aussi profiter du charme et de la beauté de ce train. Nous ne sommes plus qu'à 30 km de Sibiu, notre ville étape du jour. Le chef de train nous communique les détails de notre court séjour à Sibiu, horaire du petit déjeuner et du rendez-vous à la gare. Arrivé en gare au son du sifflet. Sibiu, également connue sous le nom allemand de Hermannstadt, était avec la ville de Luxembourg, capitale européenne de la culture en 2007. La ville a été fondée au XIIe siècle par les Saxons de Transylvanie. Ces fortifications ont longtemps résisté à l'assaut des Turcs. Plusieurs siècles durant, la ville est restée sous domination allemande. Il ne reste aujourd'hui qu'une petite minorité d'Allemands, dont le maire. C'est le troisième jour de notre voyage à bord de ce train qui relie Nuremberg à Istanbul.
Au programme, 400 km jusqu'à Bucarest, capitale de la Roumanie. Bien que le territoire de l'actuelle Roumanie ait appartenu à l'époque à l'Empire ottoman, ce sont les entreprises étrangères qui ont obtenu les concessions pour construire les lignes de chemin de fer. Les travaux de cette ligne se sont achevés en 1872. Mais il restait encore à construire certains ouvrages d'art et à régler des questions d'exploitation. Tout cela n'a été fait qu'après 1883 seulement, avec la création de la direction princière des chemins de fer roumains. Le premier maître d'œuvre de la ligne, une sorte de consortium étranger, n'avait pas effectué les travaux selon les normes techniques nécessaires. Au cours des décennies suivantes, le royaume de Roumanie, fondé en 1878, construisit l'un des plus vastes réseaux ferroviaires d'Europe. Et les lignes furent finalement achevées dans les règles de l'art. Nous traversons actuellement la région de Valachie. À Tatarani, la vie quotidienne nous offre des scènes qui ont disparu depuis longtemps de nos régions. Ce n'est qu'en 1978 que le dernier train à vapeur régulier a traversé ce passage à niveau. Au milieu des plaines de Valachie, notre train ne veut brusquement plus avancer. Un réservoir d'huile fuit et la graisse coule sur les rails. On a un problème sur la loco 230. Le palier d'essieu avant droit du tender a chauffé. Il est percé. C'est pour ça qu'il y a une fuite d'huile. Et ils ont essayé de la colmater avec les chaussettes du chauffeur et des bouts de chiffon, mais ça n'a pas tenu. Ça n'arrêtait pas de grincer, on l'entendait en roulant. Au point où nous en sommes, il faut dételer la locomotive. Comme on ne peut pas réparer, on ne peut plus continuer avec cette loco. Elle nous ferait perdre trop de temps. Nous n'atteindrons Bucarest, notre étape du jour, que vers 22h30. La capitale roumaine est souvent surnommée le Paris de l'Est. 400 architectes et 20 000 ouvriers ont travaillé à la construction de l'ancienne maison du peuple commandée par le dictateur Nicolae Ceaușescu. La diversité de son architecture donne à Bucarest un cachet tout particulier. Et avec ses 2 millions d'habitants, la capitale est le plus grand carrefour ferroviaire et routier de Roumanie. La gare du Nord de la capitale est la plus grande du pays. C'est d'ici que notre train repart le lendemain matin. La ligne que nous suivons est l'une des toutes premières construites en Roumanie. Reliant Bucarest à Giurgiu, à la frontière bulgare, elle a été mise en service en 1869. C'est le cinquième jour de notre voyage vers le Bosphore. Nous allons parcourir 250 km de Bucarest à Veliko Tarnovo, en passant par Roussé, la ville frontière bulgare.
Le convoi file maintenant à un train d'enfer. Notre locomotive a pu être miraculeusement réparée dans la nuit. Espérons qu'elle va pouvoir développer toute la puissance de ses 1500 chevaux. Contrairement aux autres, elle fonctionne avec une chaudière à fioul. La Roumanie est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Europe. Nous traversons actuellement la plaine roumaine du Danube, l'une des régions pétrolifères de Roumanie. C'est en raison de cette richesse naturelle que le pays a commencé à utiliser des locomotives diesel dès l'entre-deux-guerres. Nous approchons maintenant de la frontière bulgare. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Giurgiu était une ville-étape de l'Orient Express, même si plus rien n'en témoigne aujourd'hui. Dans les premières années, la ville était même le terminus du train. La compagnie n'avait pas de concession pour circuler au sud du Danube. Les passagers traversaient le fleuve en bateau et reprenaient un autre train à Roussé pour poursuivre le voyage. Ce n'est qu'en 1954 que le pont sur le Danube a été mis en service. C'est un pont à double tablier. Les automobiles circulent au-dessus et le train au-dessous. Baptisé pont de l'amitié, cette construction entre Giurgiu et Roussé mesure 2,8 km. C'est le seul pont enjambant le Danube et reliant la Roumanie et la Bulgarie à 500 km à la ronde. La frontière se trouve au centre du pont. Il a été restauré en 2003. Une fois arrivés à Roussé, nous descendons du train. Le temps d'attendre une deuxième locomotive. En cours de route, la locomotive à vapeur de la série 15 a eu un problème de palier d'essieu. Nous avons été obligés de demander le secours d'une autre locomotive à vapeur. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle devrait être là d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Nous reprendrons le voyage avec un peu de retard. Les voyageurs patientent. Cela fait partie du voyage. Je fais quelques croquis pour essayer de capter l'atmosphère générale et ce qui se passe autour de moi. Je suis assise tranquillement, je regarde par la fenêtre et je m'amuse à dessiner. Mon mari est un passionné du rail. On fait souvent des voyages en train et j'ai donc beaucoup de temps pour dessiner. Lors des contrôles de routine, un technicien bulgare a constaté des zones d'usure anormales sur les roues, probablement causées par un mauvais fonctionnement des freins. Les techniciens ont relevé des défauts en inspectant les roues et refusent de prendre le train en charge, parce que les témoins d'usure sont au-dessus du seuil limite, d'après ce qu'ils disent. Notre technicien ne dit pas la même chose, naturellement. Au final, nous allons devoir dételer ici le wagon-restaurant et une des voitures de première classe. Ils vont suivre le train à vide, sans personne à bord. On va les emmener en réparation dans la soirée pour les passer autour. Et demain, on devrait pouvoir les rattacher au train. Avec près de 6 heures de retard, notre train quitte Roussé à 18h30. Nous atteindrons Veliko Tarnovo, notre étape du jour, à la nuit tombée, vers 22h15. Pile pour assister à un son et lumière grandiose. Thank you.
Le spectacle évoque l'époque où Veliko Tarnovo était appelée la reine des villes. Avec ses 5000 ans d'histoire, cette ancienne capitale du deuxième empire bulgare est l'un des joyaux du pays. Le lendemain matin, nous quittons Veliko Tarnovo avec 3 heures de retard, mais avec une bonne nouvelle. Bonjour à tous et bon appétit. Notre train est de nouveau au complet, et cela grâce à l'intervention des cheminots bulgares. Vous allez avoir le plaisir de découvrir de superbes paysages. Comme vous l'avez remarqué, nous venons de nous engager dans une vallée et prenons de l'altitude pour traverser les montagnes des Balkans. Nous vous informerons par haut-parleur des haltes prévues pour vous permettre de prendre des photos. Nous allons découvrir la chaîne des Balkans sur l'une des plus belles lignes de chemin de fer de Bulgarie. Programme de la 6e journée de voyage, un trajet de près de 230 km jusqu'à Plovdiv. Mais dès l'arrêt à Kareva Livada, un autre contre-temps. La séance de prise de vue extérieure du train semble poser quelques difficultés. Pour qu'il ne ferme pas le régulateur de vapeur trop tôt, il faut que nous nous placions plus en avant, au niveau du panneau, là où se trouve l'autre voie. Tout le monde s'exécute et l'emplacement idéal pour prendre les photos est rapidement trouvé. Comme dans les autres pays d'Europe de l'Est depuis l'effondrement du bloc communiste, le transport ferroviaire des voyageurs a régressé. Les autocars sont souvent plus rapides que les trains. Conscients du problème, les chemins de fer bulgares ont décidé d'investir dans le secteur. Avant, ce type de voyage n'existait pas. Depuis peu, nous avons rénové les rames de la Société nationale bulgare des chemins de fer. Nous avons acheté 25 motrices diesel toutes neuves, des Siemens. Nous en avons d'ailleurs vu une tout à l'heure en gare de Veliko Tarnovo. Nous avons aussi passé une commande qui sera peut-être livrée le mois prochain de 25 rames et motrices électriques construites par Siemens également. Et toujours pour le transport des voyageurs, nous allons aussi recevoir 50 voitures d'occasion des chemins de fer allemands. Le tronçon que nous abordons est l'un des plus beaux de la ligne. Mais la brume et le mauvais temps s'en mêlent. Quelques irréductibles ne se laissent pas impressionner et prennent malgré tout des photos. Puis on se replie dans le wagon-restaurant bien au chaud. Une excursion est prévue à Plovdiv. La vieille ville surprend par ses maisons aux façades colorées. Plus que centenaire, elle date de l'époque où la Bulgarie faisait partie de l'Empire ottoman. Plovdiv était alors appelée la porte de l'Orient. «
L'amphithéâtre a été construit au IIe siècle après Jésus-Christ. Il peut accueillir 3000 spectateurs. Le lendemain matin, retour à la gare avant 8 heures. Le temps ne s'est guère arrangé et notre train est de nouveau en retard. De 2h30 cette fois. Nous sommes en retard parce que nous n'avons pas pu allumer la chaudière à l'heure. Les employés du dépôt ont tardé à nous attribuer une place pour allumer le feu. L'essentiel, c'est que le train soit là. Dernier préparatif avant le départ. Au programme aujourd'hui, la ligne Plovdiv-Istanbul, également appelée la ligne de l'Orient. Mise en service, 1873. C'est le 7e et dernier jour de notre voyage. Nous avons 500 km à parcourir et une frontière à franchir. L'Authentique Orient Express circulait déjà sur cette ligne et parfois même avec le roi Ferdinand Ier de Bulgarie aux commandes. Passionné de chemin de fer, il était un grand admirateur de l'Orient Express. Nous avons fait le voyage, mission accomplie. C'était malgré tout du travail. J'ai rempli à la fois les fonctions de contrôleur et de chef de train. Mais je n'ai pas eu à vendre de billets parce que c'est un train privé. Tout est très beau à l'intérieur, c'est magnifique, comme à l'époque d'Agatha Christie. C'est formidable. Le wagon-bar, le restaurant, c'est fantastique. Nous approchons de Zvilengrad, situé à la frontière bulgaro-turque. Au beau milieu de la voie unique, le train est immobilisé. Poursuivi par la malchance, chauffeurs et mécaniciens ne savent plus quoi faire. Un écrou manque sur ce boulon. Sans lui, le train ne peut plus avancer. On a 5 ou 6 heures de retard par jour. Les nuits sont courtes et on accumule du retard de sommeil. À force, on commence à perdre sa bonne humeur. Et aujourd'hui, c'est le bouquet. Vu la tournure des événements, on va sûrement arriver à Istanbul au chant du coq. Pendant ce temps, plusieurs personnes scrutent la voie à la recherche de l'écrou perdu. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, les secours arrivent. Une locomotive diesel prend notre train en remorque. Changement d'époque. Les passagers se sont faits au rebondissement du parcours. L'essentiel est que le voyage se poursuive. Nous traversons la Maritsa, le fleuve qui marque la frontière. Kapikoule, la ville frontière turque, n'est plus très loin. Ce poste frontière est l'un des principaux carrefours du transport de marchandises. La plus grande partie des échanges commerciaux entre l'Union européenne, la Turquie, la Syrie et l'Iran se font ici. En revanche, pour ce qui est du transport des voyageurs, l'activité est minime. Seul un train de passagers par jour franchit ici la frontière. Les formalités de douane s'effectuent rapidement. Mais une dernière avarie intervient. La locomotive turque crache bien un peu de vapeur, mais elle manque sacrément de puissance. C'est donc une motrice électrique qui tracte notre train. Il est déjà 20h15 et la nuit promet d'être longue.
Il reste encore 270 km à parcourir pour atteindre Istanbul. Cela prendrait 3 heures de route en voiture, mais avec notre train mi-vapeur, mi-électrique, il va nous en falloir 12. Il faut prendre ça avec bonne humeur. C'est probablement toujours comme ça dans les Balkans. Je tiens absolument à arriver à Istanbul à bord de ce train. C'est le terminus de notre voyage. Je ne veux pas manquer ça, peu importe le temps que ça prendra. Et au petit matin, pour la plus grande joie de tous, nous atteignons enfin notre destination. Notre train fait son entrée en gare d'Istanbul, l'ancien terminus de l'Orient Express. Dans les années 1900, le train roulait à une vitesse moyenne de 50 km/h, et le nôtre n'en est pas loin. Bienvenue à Istanbul, ville charnière entre l'Europe et l'Asie. Que diriez-vous de découvrir demain les trains du Luxembourg ? Bon nombre d'entre eux sont très anciens et considérés comme des monuments nationaux.